tout le monde ici, Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Don't be afraid. Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Il a décidé d'aller à la cuisine pour prendre une petite collation. Quand David s'est réveillé, il avait faim. Donc il se dirige vers la cuisine. Il a vu sa mère. Elle ne s'est pas retournée, elle. Elle a juste dit... Mais David, mon chéri, tu ne dors pas. Oh chéri, mange un bonbon. Je l'ai laissé le bol entier sur la table de nuit, comme toujours. Mange du bonbon et va te coucher, chéri. Faites beau rêve, mon champion. T'as mangé les bonbons, maintenant va te coucher. David s'est couché et est tombé dans un profond sommeil. David, je vois déjà que tu es un jeune homme très doué. Je pense que tu n'auras aucun problème à résoudre les énigmes et que je t'ai préparé ici. Tu as réussi, je te laisse jouer avec ma lance. Si tu réussis, je te laisse jouer avec ma lance. Les Esquimaux ont un harpon spécial pour tuer les phoques. Le manche mesure environ 1 mètre de long et est fait de cornes et de fer. Il se termine par une lame coincée dans l'arbre. Parfois, elle n'est faite que de fer ou de cuivre. Seule son extrémité n'est pas aiguisée pour que le trou dans la peau du phoque soit le plus petit possible sous la lame. Il a 2 ailes repliées vers l'intérieur qui ne permettent pas à l'animal de glisser. Une clé bleue. Nous vous invitons à nouveau à une réunion dans la salle des professeurs. Nous avons besoin de vous. Prenez une décision sur un sujet précis. Cordialement, la personne de l'enseignant. Cher Monsieur Dingen. Ok.
C'est l'endroit où je peux allumer ma chandelle, là. Attends, j'avais oublié qu'il y avait un haut. Mon chéri, je t'ai commandé cette lance que tu cherchais depuis si longtemps. Je l'ai trouvée dans la boutique d'antiquité de Victor. J'espère que tu seras content. Je sais à quel point elle te passionne. Je t'aime, maman. Remarque cruciale qui sera utile lors de mon travail, inspiré des anciennes radiations celtiques et germaniques, le mélange du cerveau avec du ciment et de la façonne d'une forme semblable à la petite sphère, non seulement fournit à l'utilisateur le pouvoir d'un parent mort, ou dans certains cas l'ennemi, mais a également fourni une ample provision de munitions sacrées. C'est quand on va se faire tuer. Intéressant. Guerre diabolique. Lydia, à son retour de l'école, va directement dans sa chambre. Papa viendra te voir. Candidature au concours de journaliste. Je m'appelle Franklin. J'aimerais beaucoup gagner une lance qui est le prix de votre concours. Je suis très fasciné par cette arme. Je suis professeur de biologie. J'ai beaucoup d'objets à la maison et des sculptures liées à la mer. Mon rêve est d'obtenir une telle lance. Je ne la trouve nulle part. C'est inutile. Personne ne veut me le dire. En bas. David, c'est toi, chérie. Où es-tu? On t'a cherché partout. Tu vas bien, s'il te plaît? Rentre vite à la maison. Tu es vraiment tombé dans le panneau, hein? Regarde-toi. Bon, diabolique, stupide, manipulateur. Moi, je trouve un endroit avec une chandelle juste pour pouvoir allumer éventuellement ma chandelle, mais là j'en vois nulle part. Ici.
dirait qu'il y a un bruit qui se fait quand je rentre, puis je sors d'ici. Barnac. Psychopathe. Je peux refermer la porte. Il y a quelque chose que j'ai pas vu, que j'arrive pas à voir. Candidature au concours de journaliste, je m'appelle Franklin. J'aimerais beaucoup gagner une lance au prix de votre concours. Je suis très fasciné. Ouais, c'est la même affaire que tantôt. Pas de chandelle non plus. Thank you.
C'est pas un passage secret, ça. Les crayons qui m'a amené à faire penser à ça. Sandy, j'ai trouvé un autre enfant. Une fille, son nom est Lydia. J'ai essayé de l'amener avec moi, mais ce psychopathe a déjà posé ses mains sur elle. Je te préviens, sois prudent, sois intelligent. Fait ses jeux stupides pour qu'il ne doute de rien. Rappelle-toi de chercher mes cassettes par contre. Je te laisse le tournevis au deuxième étage, dans le tiroir du bureau. Je dois y aller. Trouve ma prochaine cassette. Je vais placer des crayons de couleur sur le sol pour que tu trouves facilement le bon bureau. Bon, un lapin. Bon bureau et des crayons de couleur. Chérie, je suis inquiet pour notre fille. Tu n'arrêtes pas de dire qu'elle a besoin d'une opération, tout va bien pour elle. S'il te plaît, épargne-la au moins. Si tu fais ça, j'oublie que j'ai trouvé mon troisième étage. Je vais travailler maintenant et reviendrai plus tard. Je t'aime, Anne. À moins que l'autre porte va s'ouvrir maintenant. Mais de quoi qu'il parle, ces astuces de crayon? It's Andy. J'ai trouvé un autre enfant. A girl. Her name is Lydia. I tried to take her with me, but this psycho already laid his dirty hands on her. I'm warning you. Be careful. Be smart. Play his stupid game so he won't suspect anything. Rappelle-toi de chercher mes cassettes par contre, je te laisse retourner au deuxième étage. Dans le tiroir du bureau, je dois y aller. Trouve ma prochaine cassette. Je vais placer des crayons de couleur sous le sol pour que tu trouves facilement le bon bureau. C'est le deuxième étage ou c'est le troisième étage?
Tournevis, faut que je rentre dans la tête. Tu vas arrêter de souffler. Oh, j'ai bugué le jeu. Oh, je vois pas de crème couleur. Prends 0. Crise de crayon. Est-ce qu'il y a un bug? Je comprends, il y a rien qui fonctionne.
Il y a un harpon, mais il n'y a pas d'harpon. On prend rien. Dans une demi-heure, je joue pour rien. Lui, le harpon est là direct, lui aussi. Moi, il est pas là. Ok, il y a un harpon là. Ouvert un passage secret, puis moi j'ai pas l'harpon. L'harpon est là. Ah, si, il est là, l'harpon, ils l'ont changé de place. Acheter sac, 5 pièces ruban adhésif, 20 pièces chronophobe, 5 bouteilles, corde de caramel, grande boîte. Ah, si je pas allumé mes chandelles de nouveau. J'ai
Je le mets sur la tête à l'autre. Un, trappe là. Deux, trappe là. Un, frappe. La weirdo. Je sais pas ce qu'elle est. Un et deux. Ok. Vraiment que là, ça, je peux la trouver la 2. Ah. Et là. J'arrive pas à y croire tant que de gens me rendent visite et je n'arrive même pas qu'il y a de la chair humaine dans les mannequins juste à côté d'eux. Ils sont incroyablement stupides. Personne ne se demande pourquoi les mannequins là sont ah bon d'idiot. Ok. Ok. Je veux voir de nouveau que ça dit comme il faut. La femme. Je vois rien. Le serpent. Allez, est-ce que ça... Ça a marché. Mais... Ah, bon. Pourquoi pars-tu aussi vite, je veux dire? Tu peux... Il me manque déjà tellement. Je t'en prie, viens, j'ai cet adorable chaton en bas. Ce sera amusant. Tu ne joues pas avec moi, peut-être que tu joueras avec quelqu'un d'autre.
sais. Et... Au cher David, Lydia se trouve à un âge où elle se trouve les garçons dégoûtants. Tu vois ce que je veux dire? Mais laisse-moi te dire le secret, ce sont des garçons morts qu'elle trouve le plus repoussant. Et Lydia, je t'aime beaucoup. Tu es belle et gentille. Viens avec moi au cinéma. Toutes les cartes ont été déchirées. Il n'en reste plus qu'une. 4 mai 2013. Cher journal, mon dernier anniversaire remonte à 4 ans. Je crois que papa a cessé de les aimer. Cher journal, maman a disparu. Papa dit qu'elle est partie. Il n'est pas revenu, il m'interdit d'aller au deuxième étage, je me demande pourquoi. Cher journal, maman n'est toujours pas là, papa dit que quelque chose ne va pas avec mon visage et qu'il devrait m'aider ce jour-là, papa, de faire l'opération. Fuck. C'est Sandy, il dit à la fille que j'ai essayé de sauver. Elle est vivante, mais... Elle n'est plus elle-même. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant, cette pauvre fille. Je pense qu'elle ne voit plus quand elle a tourné sa tête dans ma direction. Elle n'a pas réagi. Écoute, j'ai laissé la clé à côté de la cassette. Avec le tournevis, tu peux ouvrir la ventilation. Tu peux t'échapper par là. La bouche de récent est derrière le mannequin, la main bleue, bonne chance. Derrière le mannequin, la main bleue. On a... Anna, je serais très reconnaissant si tu voulais bien me rencontrer en privé. Que dirais-tu de me dîner dans un restaurant? Si tu veux m'accorder, appelle-moi. Mon numéro est...
Monsieur Franklin, j'ai remarqué votre annonce dans le journal local. J'ai une commission spéciale pour quelqu'un avec votre expérience d'enseignement. Je vais vous faire accéder les détails. Que j'ai le jeu! Putain! Hostie, fuck you! Que dans cette petite salle de bain qu'il se pose à avoir.
Salut, ça va bien? Par rapport à ce jeu-là qui me fait fucking chier. Et là, la tabarnak. Ça va de mieux en mieux. Putain, je comprends pas! Ok, je comprends. Ah, ça, j'aime moins ça. Fuck you, Esti! Toi, rien, tabarnak! Pas de chandelle là-dedans. Ah! Pourquoi elle court encore, Esti? T'as pas d'autre chose à faire?
Ben ouais, c'est ça. Mangeuse de mort. Bon, j'ai trouvé. Ah! Hostie! Hostie, je suis capable. J'étais plus capable de cette chanson-là. Ok. Je peux pas être sûr parce que lui, il y a un signe bleu qui veut dire qu'il va éteindre ma chandelle. Je trouve un sac pour y mettre ça à la tête. Verrouillé. Toi, comment tu vas? Ah, il est là le sac. J'ai pas un autre sac, là, tu sais. J'enlève le sac. Que je vais en haut. Les étudiants n'ont pas passé la nuit comme vous nous l'avions prévenu. Je pense que les parents doutent de quelque chose. La police ne fouine pas pour le garçon, du moins. Pour l'instant, nous devions être en mesure de tout faire avant qu'il ne commence à te suspecter. Et voilà, tournevis. Et là, il faut fouiller. Chère Madame Zipka, votre lettre m'a vraiment ému. Je peux vous assurer que mon expérience professionnelle, je ferai ton fils lui-même se comporter. Mon programme spécial que je vais appliquer au cours de nos cours particuliers, conçu pour résoudre les problèmes avec les manques de perte de concentration et de mémoire, tout cela peut être réalisé en enseignant aux enfants comment agir. Si vous souhaitez discuter des détails, vous pouvez continuer la conversation au nombre ci-dessous. Oh bro, la fausse tête, je l'ai pas pognée par exemple, j'aurais...
C'est dans la forêt sombre et profonde, je fais un sommeil éternel. Théodore, on va vendre les poumons séparément. J'ai besoin de plus de liquide. Amène 4 adolescents âgés d'environ 13 ans. Le stock doit être rempli. On a trouvé. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Don't Be Afraid, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!